Manchester City risque une lourde suspension de la Premier League. Motif, ils ont enfreint les règles du fair play financier. Déjà, je vais te donner mon ressenti par rapport à ce fait. Pour moi, Manchester City ne sera pas exclu de la Premier League parce que beaucoup disent que non, ils vont être exclus, ils seront rétrogradés en deuxième division, en championship. On va retirer le titre, notamment celui de 2014. Moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que City, c'est un grand club. Ils sont puissants. On a vu ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, comment la FIFA les a suspendus de la Ligue des Champions. L'UEFA, j'allais dire, les a suspendus de la Ligue des Champions. Ils ont fait appel au TAS et ils ont gagné la bataille. Ce Manchester City-là, je ne les vois pas descendre. Parce que c'est une équipe qui est tellement attractive. C'est une équipe qui apporte tellement du pognon à la Premier League. Que faire descendre cette équipe en deuxième division, ça me paraît très compliqué. Faire descendre cette équipe en deuxième division, ça me paraît très compliqué. L'ascension la plus probable, selon moi, c'est le retrait des points comme à la Juventus. On avait retiré 15 points à la Juventus. Moi, c'est un peu sur cet état d'esprit que je suis en train de voir. Je suis en train de voir que on va retirer peut-être les points à City, peut-être 6 points, peut-être 10 points, peut-être 15 points ou plus. Mais pour moi, c'est l'option la plus probable. Pour moi, c'est l'option la plus probable, le retrait des points. Sinon, ils peuvent seulement s'en sortir avec une amende. Ils paient juste une amende et le game est plié. Et le game est plié. Donc moi, je vois mal comment ce Manchester City-là peut être rétrogradé en championship. Ça me paraît très compliqué. Parce que vous savez, le foot, c'est le business. Le foot, c'est avant tout du business. Laissez que nous, c'est le sportif et tout. Le foot, c'est avant tout du business. La Premier League gagne derrière Manchester City. La PL gagne derrière Manchester City. Donc, faire rétrograder City en championship, ce n'est pas bénéfique pour la PL. Ce n'est pas bénéfique pour la PL. Parce que la PL aime voir son championnat compétitif avec les Liverpool, les City, les Chelsea, les Arsenal, les Tottenham, les Manchester United. Avant, en Premier League, on parlait du Big Four, maintenant on parle du Big Six. Et c'est bénéfique pour la Premier League. Ça fait du bien la Premier League. Donc avant tout, le foot, c'est du business. Je vois mal comment City sera rétrogradé en deuxième division. Oui, on peut les soustraire des points. On peut les soustraire les points. Mais j'ai dit qu'on va les rétrograder. Ça me paraît très compliqué. J'ai suivi un ancien joueur de Liverpool qui disait que on devait enlever le titre de 2014 à Manchester City pour remettre à Liverpool. Mais franchement, ce mec dort. C'est un rêveur. En aucun cas, la Premier League ne peut pas retirer le titre de 2014 à City. Ils ne peuvent pas. Donc, voilà ce que je voulais un peu partager avec toi par rapport à cette thématique. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.